Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se lance sur du Crusader Kings 3, c'est déjà lancé. Regardez, on va démarrer ici, avec le prince Saiban du Delta, Émirat du Delta. Ce sera très très bien, je pense. Du coup, on est juste un gamin, mais on va faire ce qu'on peut pour survivre ici, sur Égypte. Voilà, très bien, vous avez fait tout. Ça va être compliqué, hein. Après, on joue côté arabe. Ça devrait quand même être assez facile. Enfin, les Abbasides sont à côté. Mais lui, quand même assez fort, 1800 hommes. Lui, il en a 3000. C'est vrai que c'est le double. Mais on n'est qu'un petit comté. Donc, enfin, non, un émirat même. On a 3 comtés. On est pas mal. Ensuite, côté soldats, on a des archers. Et on a des Moubarizoun. Qui sont très très forts. Il faut qu'on les fasse stationner d'ailleurs. Stationner là. Et vous, stationner là. Ok. Si je veux les améliorer, il me faut de l'or. Ce qu'on n'a pas, donc pour l'instant on s'en soucie pas. Ensuite, j'ai quel âge? Je suis tout petit, comme prévu. Salut malin, comment vas-tu? Donc rencontrons nos pères, déjà ça se sera fait. Parfait, je peux pas parce que je n'ai pas 4 ans. Bon bah ça va être long comme début. On n'a même pas 4 ans, on peut rien faire. Juridiction fiscale, oui, bah impose les gens. Ici, intendance, on a personne de meilleur, on va faire ce qu'on peut. Toi, tu vas faire ça. C'est pour convertir à la fois... D'accord, intéressant ça par contre. Ok, on va être de la même religion qu'à côté. Très intéressant ça. Non, mais reviens là-dessus. Hop, convertir à 4. Ah oh, ouais, il est nul, hein. Ah oui, t'es nul. Bon, t'es à 4, on n'a pas trop le choix. Convertis ça, ça va prendre 12 ans. Ouais. Pas trop le choix, malheureusement. Ça, c'est que de l'échange. On a les meilleures personnes qui sont nommées, mais ils sont tous nuls. Et j'ai bien 0 ans. Ouais, ça va être long. Ce début de partie, on va passer en x5. Le temps d'être un peu plus âgé. Transfert de vassal. Merci. On est plus fort. Ça, c'est déjà bien. Donc, plus d'argent. Une ombre sur Damiette. Qui es-tu, Damiette? Traverser Damiette révèle d'intérêt le fléau. Ah oui. Ah oui. Vous perdez. Et j'ai pas de légitimité, mais je. Appeler un médecin. Oh, elle est nulle. Très bien. Une approche. Ouais, des mesures draconiennes. Vas-y. Eh ben c'est merveilleux, très très bien, on gagnera moins d'or mais ce sera déjà pas mal. Mais donc on a une épidémie. Ah oui, effectivement, on a une épidémie. Pourrait se confiner, s'isoler, est-ce que ça vaut le coup de s'isoler? Isoler la capitale, on perd la légitimité. Se confiner, on perd la légitimité, plus 20% de perte de légitimité. Ok, bah tant pis, si je deviens malade, on n'est pas là, hein. On pourra recommencer. Les mains guérisseuses. 9% de chance d'avoir 25% de chance d'être malade avec un toucher mortel. Ah, perte de prestige et d'opinion. On va essayer de vous aider. Vous avez obtenu toucher mortel. Et trop tard pour la prudence. Mauvais traitement. Jetez-la au cachot. C'est la merde. Très bien, êtes-vous venu après avoir hérité. Bah, je vais bien. Bah, finalement, c'est bon. Sachet d'herbe, ça sauvera personne, on s'en fiche. La vie compte de l'or. Obtient quarantaine côtière. Je veux pas déstabiliser l'économie. Je prends que des mauvais choix. Il y a tout le monde qui meurt. J'ai la pneumonie. Un médecin. Elle est forte, elle. Il est trop tard pour la prudence. C'est un miracle. C'était le bordel, hein. Ah bah ça commence durement. Commandant promu, ça c'est cool par contre. Surtout qu'il est à 12, voilà. Hop, fais-moi un peu plus d'or. Bah plus d'or. Ok, tant pis. Et j'ai débloqué maison de guerrier, très très bien. C'est déjà pas mal. J'ai quel âge? J'ai 2 ans. Et je suis devenu un enfant songeur. Intéressant ça. Enfant songeur, tu vas nous faire de l'intendance. Ok. Est-ce que t'as un tuteur? Éduquer un enfant. Toi, médecin de la cour, ça me semble très bien. Mon sultan est attaqué.
Ah, on est en guerre contre juste eux. 2000 hommes. Ils visent quoi? Ça me dérange pas. Marché en désordre, intervenir. Surveillance du marché souple, 80%, c'est bien. On va faire ça, vas-y. On aura plus d'or, ce sera bien. Faction dangereuse contre nous. Contrôle comptable plus bas. Ouais, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Jamais. Ouais, rassembler les troupes. Oh, ils sont nombreux. Ok. Vous êtes extrêmement nombreux. Je peux pas te lever. On va te lever là. On a 900 hommes. Est-ce qu'on gagne? Au moins on les écrase. On a eu cette chance là. On appuie. Ok. Guerre remportée. Pourquoi j'ai le tuto qui s'active? On va aider notre souverain. Hop là. Si je peux récupérer ça et disperser mes troupes derrière, ce sera bien. Voilà, c'était levé, on a aidé. Salut Brawisquick, comment vas-tu? Et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on essaie de jouer Delta du Nil avec... essayer de devenir un peu plus puissant, mais pour l'instant, je suis jeune. J'ai 5 ans, je pourrais rencontrer mes pères. Ça, c'est cool. C'est ici, rencontrer ses pères. Hop, ici, à la capitale. Let's go. Bah ça va bien, écoute, tout va bien, tranquillement. On finit le week-end, tout va bien, la rencontre des pères commence, j'avais un cheval. Lui a obtenu du prestige. Je peux la sauver, mais je suis un enfant songeur. Dépensez du prestige, ou deviens votre victime. Tu deviens ma victime. Très bien, rencontre des pères montée, je ne reculerai pas. Votre prouesse augmente. Ma prouesse augmente de 1. Très bien, je suis déjà stressé. Je deviens irritable. C'est bien d'être irritable. Lui pourrait augmenter mon érudition. On va faire ça. Bon, érudition augmentée de 1. C'est très intéressant. Parce que ça permet d'être plus fort dans la transmission de connaissances et compagnie. Voilà, bon, en tout cas c'est bien. On va avoir obtenu un peu de prestige. Il s'est pas passé grand chose. Très bien. Et notre seigneur a gagné la guerre. Parfait. On a 189 d'or. Qu'est-ce qu'on pourrait construire ici? On a déjà un verger qui permet d'augmenter des festins, plus de levée, plus de croissance. Une ferme, ce serait très intéressant des fermes. Plus de sous. Ouais, ça c'est indéniable, il nous les faut. Ma prisonnière est morte, très bien. On devrait goûter de la viande. Non, on va éviter. On a déjà 25 ans de malus. La carcasse explose, on devient très blessé. Brûle là. On verra bien. Ça a l'air d'être bon. Un commandant vient d'arriver. Est-ce que recruter des gens coûte cher? Toi t'es un médecin. Si je te payais pour venir 70. Mais c'est cher quoi. Expérimenté en intendance. C'est ça qu'il est à 15. Ce serait intéressant de le recruter. Oh non non, à 12, c'est bon. Ici, on peut affecter lui à la place. Ouais, 18, c'est bien mieux. Il y a Albuera qui vient de se convertir. C'est où? Est-ce que c'est chez moi? C'était chez moi, c'est cool. Perte de stress. Ah, votre diplomatie augmente de 1. Non, perte de stress. Ce sera bien. C'est bien, ça a été converti, ça c'est cool. Non, on peut pas affecter quelqu'un dans 6 ans. Parfait. On va tout convertir. C'est important pour que notre religion soit forte. Un chevalier s'améliore, notre médecin s'améliore et on est convié à rencontrer des pères. C'est loin. Ah ouais, c'est loin. Maître caravanier, toi t'es mauvaise mais ah, ça change rien. On peut pas passer par l'eau? Pourquoi? Si je prends des capitaines, ouais bien sûr. Personnaliser l'itinéraire. Tu passes. Ah. Chance de péril parce qu'il m'aime pas. Ici, on va dire ensuite ici. Non. Ici. Oui, ça me semble très bien. Et puis le retour. Tu passes ici et tu vas directement à la maison. Hein. Ok. Après, j'ai besoin peut-être de garde mercenaire pour tout me clarifier.
Qu'est-ce qui manque ici? Plaine inondable, plus 35. Et l'opinion ne va pas. Si on change ça pour... C'est quoi ici comme zone? Plaine inondable. Peut-être connaissance des marais? C'est lequel? Traverseur au guet. Ouais, c'est pas mieux. On va prendre eux et on va y aller. Très bien. On risque de petits dangers, mais si on... ça pouvait réussir, ce serait cool. On est passé. On est passé par là, par le phare d'Alexandrie aussi. Il rencontre nos pères. On a un nouveau chevalier pour nous aider. Ah, on a tenu 75 d'or. Grâce au... à notre régent. Intéressant. Fin de la régence. Oui. D'accord. En tout cas, j'ai hâte. Pourquoi il... D'accord. Ah oui, c'est monseigneur. D'accord. Il augmente sa prouesse. Nous, on pourrait sauver. On va faire ça. Hein. Perdre du stress un petit peu. Ce sera mieux. On va jouer au papa et à la maman. 74% de chance d'augmenter notre intendance de 1. Pratique le commerce. Non, on va faire ça. Raté, client maladroit, moins de diplomatie pendant 2 ans. Bah, il n'y a pas le choix en même temps. On va augmenter notre prouesse. Ça, c'est bien. C'est toujours très bien la prouesse. Éclore la rencontre. On va rentrer à la maison. Hop là, on est arrivé à la maison. Est-ce qu'on pourrait organiser une autre rencontre? C'était pas possible pendant 3 ans, mais je pense que. Enfin, 50 jours encore à attendre. Voilà, on peut le refaire. Ça, c'est bien. C'est important. Il reste encore une quarantaine de jours. Ça va être compliqué de s'étendre, surtout que je suis un enfant. Mais j'espère qu'on y arrivera, hein, qu'on arrivera à grandir en attaquant nos voisins. Il a 1000 hommes, moi j'en ai 1200. J'ai pas encore commencé à recruter des troupes, d'ailleurs on devrait le faire ça. Ça c'est juste au cas où, de avoir une centaine d'hommes de plus ça peut être bien. Mais on va y arriver, on va réussir je pense. Augmente la prouesse de 1. Voilà, très bien, plus 1 de prouesse c'est toujours cool. Partez, je lis. Parfait. On perd notre stress, on augmente notre érudition. Augmente la prouesse. Augmente la prouesse. Ici, pour augmenter l'intendance. Augmente l'intendance. Excellent. Et à la prochaine fois. Très très bien, on peut partir. Alors on est super stressé. Mais pour l'instant, ça se passe bien. On a même fini des champs, hein, d'amiettes. Mais on n'a plus de sous. Droit de douane excessif. Ah oui, mais c'est un peu... Ouais, on va essayer de faire ça. Baisse la... Augmente le contrôle un peu partout. Vous obtenez le titre humble. Très bien. Et 1% de chance d'être un homme sage ou alors d'être cynique. Piété, c'est important, je pense. Ou d'être content. Être content pour augmenter mon érudition. Mais humble augmente ma piété. On va faire ça, on va être humble. Merci pour le follow, Brawisquick. J'ai du mal à prononcer les noms, je suis désolé. Mais merci pour le follow. Qu'est-ce qu'on aurait ici? Mon maître espion, est-ce qu'il peut être meilleur? Non, on a personne de meilleur. Intendant non plus. Ici, diplomatie, j'ai lui. Mais c'est déjà mon oncle et régent. Ok, et toi à 4, j'ai toujours personne. Hein. Ok. Il est compliqué à dire. Non, je pense qu'avec l'habitude. Ah en plus. Ah non, mais c'est Brawl Squeak d'ailleurs. C'est un L, c'est pas un I. Non, mais je suis loin de l'écran aussi. Ça aide pas. Essaye d'améliorer le contrôle ici pour gagner un peu plus d'or, ce serait bien. Non, mais si je m'applique, c'est bon. Hein. Converti. Ça. Et c'est bien de le convertir, non? Ouais, très bien, convertis-le. C'est très bien, moi, je pense. Faut être concentré. Oui, c'est ça, faut être concentré. Qui me propose une alliance? Toi, 700 hommes. On va accepter. C'est bien pour notre... pour notre famille aussi. Oui, aussi... Non, ça va, je m'épose et ça passe. Vous perdez 50, vous obtenez connaissance des mercenaires, ça m'intéresse pas. Implorez-les de partir, ils vont pas vouloir. Forcer la quitter la ville, ils vont pas vouloir. On va devoir payer 50.
On va devoir payer. Ça va augmenter notre contrôle. On va dire qu'on va y regagner d'ici le long terme. Salut Kenny Army, comment vas-tu? Et bienvenue sur la chaîne. On essaie de jouer l'Egypte, ici, sur le Delta, et essayer de s'améliorer. Fouiller, non, je vais respecter sa vie privée, ça va être bien. Négocier une alliance, qui es-tu? Ah, c'est toi. On va accepter, c'est pas très utile, mais on va accepter. Ok. Je suis quand même pas mal stressé. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une activité? Non, ça coûte cher tout ça. Mince. Ou un chat. Érudition. Ou un chien. Non, on va prendre un chat. Voilà, un petit chaton. Qu'on va appeler... Pantoufle. Parce que j'adore mettre mon pied dedans. Voilà. Alors, ouais, réprimandez-les tous. Surveillance du marché souple. Pendant 5 ans, très bien, un peu plus de sous, ce sera bien. Toi, t'as fini. C'est cool. Ça, c'est revenu et ça se rebelle. Pendant 6 ans. Essaye. C'est compliqué, je trouve. Vindicatif. Vindicatif, moins de diplomatie, mais plus de prouesse. Avantage dans le désert, c'est pas mal. Fourbe ou calme? Fourbe, ça nous donnerait... Moins de diplomatie, plus d'intrigue. Et calme, plus de diplomatie, plus d'intrigue. Par contre, on perd plus de redoutabilité. Ah, calme, non, c'est bien ça. On pourra moins bien comploter contre moi, ce sera intéressant. Est-ce qu'on pourrait trouver un conjoint, toi? À tout hasard. Un génie, il n'y en a pas. Magnifique, il n'y en a pas. Et herculéen, il n'y en a pas. Bon, on est héréditaire. On a des gens vifs. Mais très âgé. Ah ouais, ça va être dur. Vigoureux, physique avenant. Ça va devoir attendre. Bah, je vais bien. Je vais très bien. Fin du week-end, 2-5 jours. Donc c'est, ça s'est bien passé. On va essayer, on va la mettre elle. Très bien, ouais. C'est ça. Je sais que je suis pas fiancé, mais il n'y a personne qui me convient. Ah, j'ai pas regardé les alliances puissantes, parce qu'après tout... Ça pourrait être juste suffisant. Les alliances puissantes. Où est-ce? J'ai l'impression que c'est chez moi. Ben, reviens. Ouais, c'est ça, c'est chez moi. Et puis c'est ma cousine. 500 hommes. Ouais, pour l'instant c'est compliqué. Qui est ton héritier? C'est mon demi-frère. Ah! Je peux pas l'assassiner, j'ai pas 14 ans. Zut. Ce serait intéressant ça, c'est mon demi-frère. Vous volez les vêtements. Il vous prend sur le fait. Mais non. Tout ça pour une farce. Non, on va essayer d'être tranquille. Ça me semble un peu plus intéressant. Et le temps défile pendant ce temps-là. Mon personnage, est-ce qu'il est fort? Il est à 5 en intrigue. Merci pour le follow, Kenny Army. Il est à 5 en intrigue. Donc non, il est nul. De toute façon, j'entraîne en intendance. Et tu sais, j'ai 11 ans. Donc pour l'instant, il se passe pas grand-chose. J'ai un trait négatif. Ah oui, irritable. C'est vrai ça, je suis irritable. Carré son pantoufle, déjà. Merci, 14 de stress en moins. S'en prendre au premier venu. Vas-y. Très bien, 28 de stress en moins. Ça, c'est cool. Ok, le régent n'a pas réussi à remplir son mandat. Il a essayé de vous obtenir de l'or. C'était gentil pourtant. Chekat Damiette résiste à la conversion. Ça, c'est pas gentil. Non, non, c'est pas gagné du tout, je sais bien. Pantoufle qui me ramène 2 pièces d'or. Intéressant. Toi, t'as fini, ici, de stabiliser cette région. Bah, 6 ans au milieu, hein. Est-ce que je pourrais rencontrer mes pères? Ce serait intéressant, encore une fois. Oui, on peut. Allons-y. La rencontre des pères, c'est vraiment le truc de bonus des enfants. Pour essayer de grappiller quelques petits points. Ah oui, mais tu devrais, il est super bien. Il a... Et en plus, il y a plein de DLC qui... dans des packs qui permet de... d'avoir un meilleur jeu, quoi. Ouh, je vais parler lentement et force devrait aider. 56 de stress en moins. C'est parfait, ça. Je m'en fiche d'apprendre des langues étrangères. Perdre du stress, c'était bien plus intéressant. Par contre, je dis je m'en fiche, mais en réalité,
Quelle autre langue je pourrais apprendre? Arranger un mariage avec lui. Non, on peut pas. De toute façon, c'est déjà quelqu'un de ma famille. Est-ce que je peux apprendre ta langue? Non. Arranger un mariage, moi, avec. Eh, il y a des gens. Intéressant. Je pense qu'on va les prendre. Hein. Je pense qu'on va. Ah, il veut pas. Bah oui, évidemment. Mais pourquoi tu proposes? Pourquoi il me propose? Un de ces quatre, Usama. Merci. Il a encore raté à nous obtenir de l'or. Merci, malin. Eh ben, Brunswick, tu es un abonné. Un abonné. Tu es le 48e abonnement de malin. Mais tu es un fou. peut donner le trait très vindicatif, indulgent ou timide. Avec un ami en bois. Je suis trop grand pour ça. Ouais, on va essayer. Oula! Lubrique. Non. Chaste. Très bien. Ondaline est finalement pas si méchante. Compatissant. Ça donne quoi, compatissant? Plus de diplomatie, moins d'intrigue. Timide. Ah, on va être compatissant alors. Bientôt les 50, effectivement. Et du coup, t'as quelques émojis de débloquer. Deviens votre ami. Vous avez... Ouh, quel gros bébé. Vous deviens la petite brute. Ouais. J'aime être une petite brute. Est-ce qu'on peut embêter des gens, du coup? Ce serait cool si je pouvais. Je suis toujours pas fiancé. Une mosquée. Non, mais non. En puissance d'alliance, ce serait mieux. Wilaya de... Ah oui, ça c'est intéressant. Ils sont assez forts. Vas-y, on va faire ça. Je perds pas de légitimité à le faire. Quoique, est-ce qu'on peut pas trouver quelqu'un qui m'offrirait de la légitimité? Gain de prestige. Non. Ou alors là-bas. 1100 hommes. T'es doué au moins? Pas mal, hein. Enfant charmeur. Tu en prends l'intrigue. Vas-y, on va faire ça. Ce sera bien. On va avoir une alliance assez lointaine. Mais voilà, c'est pratique. Allez, alliance formée. Très bien. Là, on a enfin une vraie alliance. J'ai 1300 hommes. T'en es où ton apprentissage? Oui, c'est pas mal, hein. T'as bien un... Oui, t'as un tuteur. Très bien. Mon oncle est régent. Ouais. Tâche terminée. On a fini de convertir. Très très bien. Converti celui-là. Ce sera le dernier. Toi, recrute des gens parce que là, on est bien. On est assuré d'avoir toute la sécurité, donc maximum d'argent. Pantoufle, chasse les rongeurs, 5 ans avec de la résistance aux épidémies. Ça, c'est intéressant. Le calife, oui, pourquoi pas. T'appartiens à qui, toi? Qui es-tu? Tu es lui. Est-ce qu'on peut te déclarer la guerre? Il a un peu moins de troupes. Ça pourrait se faire, récupérer ça. Mais après, ouais, on se retrouve au contact des Abbassides. 164 hommes! J'ai tellement envie de faire ça. Grignoter un petit truc. Comme ça. Ouais, on va le tenter. Tout lever. Charger. On va essayer de prendre Gaza. Ne pas sortir du contexte. Je suis musulman. C'est... Ouais, enfin, c'est peut-être pas Gaza. Mais ouais, si je peux le prendre, ça, ce serait déjà bien. C'est long de convertir. Avec un mec aussi nul, hein. Il a 4 ans. Enfin, il a 4 ans... En érudition, il est vraiment nul. C'est bien Gaza, oui, c'est Gaza en plus. Ok, ça va être pris. Ah, l'Empire arabe. Ce n'est qu'un chat. M'embêtez pas. Score de guerre, oui, je sais. Pourquoi j'ai le tuto qui arrive, moi? Je ne sais pas. Reste là, voyons voir où est-ce qu'il veut assiéger. Ah, ma ville. Il a 1600 hommes. Bon, bah si t'as 1600 hommes. Bonjour. Il veut pas. Ok, on va récupérer un peu d'hommes. Je peux rançonner. Allons-y, rançonnons. Et recrutons ici. Je manque d'or. Ok, on va attendre un petit peu. Excellent. On va les charger. Avec un peu de chance, ça va marcher. Oui, ça marche. Excellent. Plus 67%. On va se refaire une santé. Les alliés sont arrivés. Retournons sur Gaza. On les chope. En route.
Parfait. Un nouveau commandant promu. Ça aussi, c'est excellent. Est-ce que il est meilleur? Non, il n'est pas meilleur. Lui, on l'explose. Continuons d'être là. Oui, je sais. Ouvrez la vulgaire mise en avant. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, je sais tout ça. Je le sais. Je peux pas appuyer. Oui. Appuyer les exigences. Je peux pas. Il accepte pas. Et je comprends. C'est bon. Pourquoi il me ressort le tutoriel? C'est bizarre. Après, c'est Jérusalem qu'il va falloir qu'on récupère. Hein. Si j'avais pu prendre ça, ça aurait été tellement mieux. Bonne soirée, malin. Et merci d'être passé. Et merci pour l'abonnement. Je suis devenu un employé économe. Mouais. C'est un peu nul. Bon, c'est déjà ça, on va dire. Pas de mode de vie choisi. Prendre l'intendance. Plus 3 en intendance, c'est très bien. Comme ça, on passe à 14. Parfait. Demander audience, ça peut attendre. On va finir cette guerre et grignoter un côté. Merci, plus d'opinions favorables, c'est cool. C'est parfait ça, voilà. Mon objectif est toujours le même. Nouvel adversaire. Ah, ils sont combien? Ça va, mon objectif est toujours le même. Mon objectif est toujours le même. Ouais. Ils sont plus grands, c'est juste ça. Hein. Je comprends pas qu'on est qu'à 53% par contre. On va avoir pris Jérusalem, ça va être bien, ça aussi. Ça va augmenter notre score, normalement. Très bien, on bouge plus, je pense. Je pense qu'on est bien là. Voilà, très bien. Hop là, on a grignoté, on a gagné du prestige aussi, de la légitimité. On est passé au niveau 1, ça c'est cool. Niveau 1, bon, il voudrait un niveau 2. Ouais. On va partir chasser. Vous n'en pouvez pas de mettre de chasse. Est-ce qu'il y a des trucs à chasser? C'est nul. Il n'y a rien à chasser. On abandonne nos plans. Un banquet? Festin, c'est 160. C'est beaucoup trop cher. Par contre, on a 185 d'or maintenant. Et ça, c'est cool. Le sage, vous avez des connaissances utiles pendant 5 ans. Ah. Qui es-tu? 28 en érudition. Eh ben, rejoins-nous. Merci. Et ici, il est où, monsieur 28? Je ne peux pas nommer les religieux. Mince, j'espérais. Payez la rançon, je vous paye 10. Merci, ça fait plaisir. J'ai d'autres prisonniers. Ouf, ça fait plaisir, ça aussi. Ouf. On a gagné une province et de l'or. C'est quand même cool. Mettre fin à la régence. Non, ça va attendre. Il est sympa. Vous payez 50. Ouh, on a gagné tellement. C'est trop bien. C'est trop bien. Votre seigneur Lige a gagné la guerre contre le sud. Ok. Est-ce que c'est parce qu'on... Non, c'est bon. Ok. Et nous, on est plus fort. C'est bien. Il y a... Ouais, il faut vraiment qu'après on prenne Jérusalem si on peut. Mais lui, de toute façon, il va exploser encore une fois. Très très bien. J'ai envie d'attendre un petit peu d'avoir ça pour baisser un tout petit peu mes coûts de bâtiments. Puis après, on va se mettre à construire des bâtiments. Ce sera bien. Réseau de Gaza. Ok, réseau de contrebande. Donnez-moi mon chat. Rejet par son chat. On va perdre du stress. Je suis compatissant, vas-y, c'est bon, pas de problème. Les antilopes. Gibier aperçu. Très bien. On voulait chasser tout à l'heure. Une faction contre nous? Oh, c'est Gaza, c'est bon. Ce sont eux. Ça va, c'est pas un problème. Par contre, ça, nouvelle atout en intendance, c'est excellent. On a dit Ronnie sur les coups. 5% de coups en moins. Ici, ça veut dire qu'il faudrait qu'on forme nos... Bon, pas de soucis, Kenny, pas de soucis. On va former notre infanterie lourde, ici, de préférence. Alors, on a les hospices. Ah, quoique, hospices, ça serait trop bien, résistance. Ouais, non, on va faire ça. Plus 10% aux hommes d'armes stationnés. Maintenance des hommes d'armes, moins 1,60%. 20% de dégâts en plus pour l'infanterie lourde. C'est juste les dégâts. Vas-y, la résistance avec.
Eh ben, je propose qu'on fasse ça. Ce sera bien. Ça coûte cher, par contre.